Alors nous sommes à l'hôtel Best Western, et donc l'hôtel Lafayette, pour être plus précis. Un hôtel qui a été construit en 89, qui a 58 chambres, un spa, une salle de sport, un garage fermé, tout ce qu'il faut pour accueillir une clientèle de séminaires notamment, et d'hommes d'affaires, et de touristes bien sûr. Alors on a exactement 23 personnes, dont 19 temps plein. Nous avions un apprenti qui était à l'essai dernièrement, et on recherche un apprenti en salle. C'est un peu contraignant, on a des horaires découpés, on travaille le dimanche, on travaille les jours fériés. Nous avons ici des gens qui veulent vraiment travailler et continuer dans le métier. Mais aujourd'hui, on a eu des apprentis qui sont restés en CDI et d'autres qui vont se former dans d'autres maisons, parce que le principe, il est là aussi. Hein. Le poste n'est pas toujours libre, évidemment. Hein, donc, mais quand moi, j'ai un apprenti qui est vraiment bon, on va dire, et qui a une vraie volonté, une vraie conviction du métier, en général, bon, celui-là, il reste à la maison, comme on dit. On a d'ailleurs de très belles réussites. D'apprentis qui se sont formés chez nous et qui aujourd'hui sont dans des grandes maisons. De toute façon, tous les apprentis qui sortent d'ici, on va dire de cette maison, trouvent du travail derrière. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai des collègues, j'ai des hôteliers, des gens qui cherchent, on cherche tout le temps et je veux dire, ils n'ont pas de problème vis-à-vis de ça.